Le jeudi 8 décembre 2022, M6 diffusait un documentaire exceptionnel et intime sur Johnny Hallyday, intitulé Johnny par Laetitia. Des images jusque-là secrètes et inédites mis bout à bout par le réalisateur William Carell. Et sur l'une d'elles, l'apparition étonnante d'une personnalité qui a participé à la Star Academy. À l'occasion des 5 ans du décès de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, M6 diffusait le jeudi 8 décembre 2022, un documentaire très attendu intitulé Johnny par Laetitia. Une vision de la star du rock pendant ses 2 dernières années de vie par sa femme Laetitia Hallyday. Le tout résumé en 1h30. C'est l'ultime renaissance du phénix et certainement la période la plus flamboyante et inattendue de sa vie. À mes yeux, c'est durant cette dernière partie de sa vie et de sa carrière que Johnny fut le plus authentique. Et le plus libre, s'est exprimé le réalisateur William Carell. Ce dernier a dû piocher dans plus de 700 heures d'archives inédites et jusque-là restées secrètes. Un documentaire sans filtre dans lequel on y découvre des aspects très intimes de la vie de la famille Hallyday. Des infidélités, au moment de joie vécue par la rockstar et sa femme, jusqu'à l'adoption de Jade et Joy après notamment une fausse couche de Laetitia Hallyday. Un coach sportif bien connu, celle qui est certainement la mieux placée pour parler de l'une des légendes françaises, explique avoir demandé au médecin de ne pas lui dire qu'il n'en avait plus pour longtemps, sinon il ne se serait pas accroché la vie. Elle revient également sur la tournée des Vieilles Canailles, qui s'est déroulée durant l'été 2017, aux côtés d'Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. C'est très touchant, il a décidé d'aller au bout de cette tournée, et c'était son choix. Moi je trouvais que c'était suicidaire, mais j'ai respecté son choix, Johnny est allé chercher les filles et les emmener sur scène avec lui, c'était la dernière fois qu'il montait sur scène, et quand on y pense, on ne peut pas s'empêcher de verser des larmes. Des images donc inédites et particulièrement poignantes, mais également d'autres plus surprenantes. Notamment, celle d'un entraînement de boxe dans son jardin avec Joël Bourahima, plus connu sous le nom de Coach Joe. Un visage bien connu des téléspectateurs de TF1 puisqu'il était le professeur de sport de la dernière saison de la Star Academy qui vient de s'achever. Des souvenirs certainement inoubliables pour le sportif.